Detroit. This is where it all began. The World's Forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. Ah, c'est difficile de regarder en arrière. Je préfère regarder dans les années qui viennent, les prochaines années, que de regarder derrière moi. J'ai pas vraiment de jugement sur ma carrière ou les 20 dernières années, parce que ma carrière, elle est encore en train de s'accomplir et j'ai encore envie de faire tellement de choses, raconter tellement d'histoires, faire tellement de jeux que je suis pas encore à l'heure du bilan, donc j'en sais un peu trop rien. Mais en tout cas, il y a des tas d'images, je devais me rappeler de moments. C'est sûr que la collaboration avec David Bowie a été un moment absolument exceptionnel. C'est clair aussi que le succès de Heavy Rain est quelque chose qui a profondément métamorphosé le studio et eu un impact important sur ma vie, sur mon studio, sur ma carrière. La rencontre avec Ellen Page, Willem Dafoe et l'extraordinaire voyage qui a été Beyond pour nous. Et puis aujourd'hui, l'aventure qu'a Détroit, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. À chaque jeu, on vit quelque chose d'unique, on vit quelque chose de fort, on vit quelque chose de différent à chaque fois et c'est ça que j'aime dans ce métier. Alors moi je suis arrivé chez Quantic Dream en fin 2003, donc on était en plein milieu du développement de Fahrenheit. Be careful. I need you. Effectivement, ça a été un jeu extrêmement important pour nous parce que c'était le premier jeu au format interactive drama, ce genre de film interactif qu'on propose depuis maintenant plus de 12 ans. C'était un peu le brouillon en quelque sorte qui nous a permis de tester ce concept où on donne aux joueurs la possibilité à travers ses actions de changer le cours de l'histoire. Et ce dans un traitement vidéoludique très cinématographique. On a connu avec Fahrenheit un succès critique très important et ça a attiré Sony, PlayStation, à venir voir ce qu'on faisait chez Quantic. On leur a expliqué que notre prochain jeu était Heavy Rain, ils ont adoré le concept et donc on a commencé à travailler avec eux en juillet 2006 et ça nous a bien évidemment donné la possibilité d'avoir des moyens plus importants pour développer la vision qu'avait David Cage de ce film interactif, format tout à fait particulier et unique qu'on développe chez Quantic. Et donc on a fait Heavy Rain, ça a été un très gros succès critique et aussi commercial. Quand je regarde le parcours, quand je regarde ces 15 dernières années, ben je me dis que tout était déjà en germe dans Fahrenheit et que maintenant on améliore, on continue à innover, hein, on investit 30% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. On essaye de pousser toujours plus loin ce concept de film interactif, de films dont vous êtes le héros, en apportant toujours plus de soins à la qualité graphique et au gameplay. Alors, la relation qu'on a avec Sony est vraiment une relation de confiance. Ça fait maintenant 11 ans qu'on travaille avec eux. Et puis en fait, ils nous laissent vraiment développer. Et c'est en cela que cette relation est extrêmement satisfaisante pour nous. C'est qu'ils nous laissent vraiment carte blanche à toutes les étapes du développement pour créer le jeu que nous, on souhaite créer. Ils font véritablement confiance à David sur ses choix créatifs, artistiques. Et ils nous donnent les moyens de réaliser nos jeux, donc c'est un partenariat de rêve. On n'a jamais pris la technologie et dit qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. On a plutôt essayé de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire et développer la technologie qu'il fallait pour. Alors ça a créé parfois des situations incongrues, parce que sur Nomad Soul, quand je suis allé voir mes programmeurs et que je leur ai dit voilà, je veux faire une ville avec des passants, des véhicules, moi je démarrais dans l'industrie du jeu, donc je ne savais pas vraiment que c'était impossible. Comme on ne savait pas que c'était impossible, on l'a fait. Et c'est pareil, quand on a travaillé sur Fahrenheit, je suis allé voir les programmeurs, je leur ai dit je rêverais d'avoir plusieurs fenêtres et de voir plusieurs angles de caméra de mon jeu, parce que je pense que ça peut raconter quelque chose de fort, etc. Ils m'ont dit, t'es fou, c'est impossible. Pareil, c'est quelque chose qu'on a fait. Jeu après jeu, on se donne des défis comme ça. Et en fait, on fait avancer la technologie parce qu'il y a des envies créatives derrière. Donc c'est une manière un peu différente de voir, mais qui est vraiment un peu la marque de fabrique, je dirais, du studio. Mais c'est sûr que quand on voit le niveau de détail auquel on arrive aujourd'hui sur Détroit, qui nous surprend honnêtement nous-mêmes, hein, on arrive à avoir du détail, on arrive à avoir des émotions, des subtilités, des regards qu'on n'avait jamais eu avant. Et ça, c'est la technologie qui le rend possible. Ça nous permet juste d'aller un peu plus loin dans l'émotion, de retrouver des subtilités que nous donnent les acteurs qui se perdaient avant dans la technologie. Aujourd'hui, on les conserve et on est capable de les proposer aux joueurs.
Je me sens autant libre aujourd'hui avec Détroit. Simplement, je pense qu'il y a des choses qu'on fait avec plus de qualité et plus de détails qu'on aurait pu le faire par le passé avec les technologies qu'on avait. Mais voilà, jeu après jeu, on développe à chaque fois un nouveau moteur. Donc on essaye à chaque fois de repousser les limites. On est un des rares studios dans le monde qui fait ça. Souvent, les studios développent un moteur pour le cycle de vie de la console. Nous, on est un des rares studios qui, à chaque jeu, développe un nouveau moteur. On essaye de pousser la console dans ses derniers retranchements. Et voilà, ça nous permet aussi de faire des jeux qui ressemblent peut-être pas aux autres. C'est assez dur d'essayer de faire des jeux qui sont différents. C'est dur parce que on n'a pas vraiment de modèle. On peut pas se dire on va faire comme tel jeu ou comme tel jeu. Il faut qu'on trouve nos réponses par nous-mêmes. C'est parfois un peu difficile parce que c'est quelque chose qui peut être reproché aussi, de te dire pourquoi tu fais pas des jeux comme tout le monde. C'est une question que j'entends parfois et qui me surprend toujours. Pourquoi faire des jeux comme tout le monde? Il y a déjà des tas de jeux qui sont super, extraordinaires, qui sont là. Pourquoi faire un jeu de plus de la même manière? Autant essayer d'explorer d'autres manières de faire et voilà, c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste essayer de trouver quelque chose de différent. Moi c'est en tout cas ça qui m'excite et puis l'équipe avec laquelle je travaille est dans cette démarche d'essayer de trouver de nouvelles réponses en tout cas. Alors la VR est un média qui est évidemment passionnant, qui est peut-être pas encore tout à fait mature, mais en tout cas qui permet des choses qu'on découvre et qu'on n'avait jamais vues avant. Donc oui, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment de manière très proche puisqu'on a cette relation depuis maintenant 11 ans avec Sony. Donc on suit le développement de PlayStation VR depuis le tout début, on a eu accès aux prototypes, etc. Donc on est très proche de ça depuis le début. C'est une technologie qui nous intéresse, qui s'applique certainement très bien au type de jeu qu'on fait, où on peut raconter des histoires absolument extraordinaires de cette manière-là. Donc oui, c'est quelque chose qu'on regarde de très près et qui nous intéresse. Quand on travaille sur un jeu, bien évidemment, il y a un moment où on est complètement focalisé sur celui-ci. Mais quand on arrive vers la fin de la production, il y a un certain nombre de gens dans l'équipe qui ont terminé leur travail et donc il faut immédiatement qu'on se projette sur l'avenir. C'est ça aussi un petit peu la difficulté. C'est qu'en fin de production, on est exactement dans ce moment actuellement sur Détroit, on est en fin de production, mais il faut déjà penser à ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et donc il faut que, en particulier David et moi, réfléchissions à la suite et qu'on soit en capacité de présenter des prochains projets. En l'occurrence à notre auditeur qui est Sony, qui les valide et que voilà, on passe avant même la fin d'un jeu au prochain.